T'es obligé maintenant d'investir dans les chevaux français? Oui, oui, c'est le futur, c'est ça. Hein. C'est la France qui était forte. Hein. Vous êtes fort et avec tout ça fonctionne encore. Les pistes, les champs courses et tout. Il faut faire des chevaux français. Moi, je sais pas si j'ai la force de faire l'élevage français. C'est trop tard pour moi, avec des filles. Peut-être que je garde l'élevage italien après, ou j'arrête l'élevage italien, s'il va tout à finir ici. Mais j'achète des cartouches français. Difficile faire l'éleveur. Une poulinière en contre 16 000. C'est dur la vie. Hein? Là, il faut vivre trois vies pour voir un Bellino 2 ou un Varenne. Hein? Ou un Zinzambrutur ou un Romanesque. Les numéros, ils sont grands. Donc, c'est plus difficile. Mais pourquoi pas? Un bonjour, on va voir. La chose importante, c'est de rêver toujours. Et après, bon, on va voir. Donc la promenade romanesque. Voilà. Pas très bien couru au Mokanchi. Et maintenant, c'est la deux jours de paddock, c'est le troisième jour. Aujourd'hui, il fait une promenade avec un petit peu de poids. Mais bon. Tu nous as dit que tu avais fait une petite erreur en le déférant à Mokanchi. Peut-être. Bon, là-bas, il attendait les orages, donc la piste n'était pas trop souple. Et lui, il a pas de mauvais pieds, mais je pense qu'il est. C'est pas un cheval à déférer tous les jours. C'est pas. Donc il est quatrième, mais c'est pas le même cheval que je drivais à Enghien un mois avant. C'est un cheval qui a. À mon avis, il cherchait à l'amble un petit peu. C'est pas le même cheval que j'ai drivé. Là, il est resté sur l'allure qu'il avait dans la course un petit peu bloquée, pas de train. Après, ils sont démarrés au début de la ligne droite et je suis resté là-bas sur mon malure. Comme ça, il est quatrième. Bon. Pas mal couru, pas bien couru. Et bon. Maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas beaucoup de programmes. Il a une course pour 4-5 ans à Autostar à Vincennes. Et peut-être que ce n'est pas son truc, mais obligé peut-être à courir là-bas le 10 d'octobre. Pour voir. Je pense qu'il est bien avec Saint Louis. Tu crois que c'est vraiment un cheval de groupe, hein? Je ne sais pas. Il est doué pour être un bon cheval, mais il a encore des carences de caractérielles. C'est pas encore venu comme. C'est pas encore un dur. Voilà. Donc il a besoin de parcours. Il démontre beaucoup en travail. Beaucoup de classe, pas encore de dureté. C'est un faux précoce, à mon avis. Il n'est pas encore venu dans. Il n'a pas encore la force qu'il a besoin pour bouger cette masse de muscles. C'est pas encore venu. J'espère qu'il va améliorer. Sinon, je suis déjà content comme ça. Si ce n'est pas d'un groupe 1, c'est d'un groupe 3 ou d'un groupe 2, c'est bien. C'est un cheval qui gagne de l'argent. Mais à mon avis, il a la vitesse pour faire quelque chose de bien. Ah, jolie casquette. Hein. C'était pas prévu, mais c'est une jolie casquette. C'est à vous. Libecho Griff. Là, il a gagné à Vincennes. C'est un record du monde à Copenhague, record oui. Du monde de piste de kilomètres. 1-10-6-7, avec Bian Goup gagné là-bas. Andover Hall. Il a des bons poulains qu'il a déjà gagné. Il produit bien. Maintenant, il s'entraîne pour le meeting d'hiver. Ah, tu vas le recourir? Oui, j'espère récupérer mon cheval pour cet hiver. Faire encore quelque chose. C'est un drôle de pari que tu fais, parce qu'il a eu une longue absence. Hein. Oui, oui. Mais le cheval, il est bien. Et pourquoi pas courir encore un petit peu.
pas beaucoup de courses, mais peut-être des belles courses. Bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Lui là, il gagne 800 000 euros, donc il a le gain pour courir les belles courses. Je ne sais pas, ses pattes, il résiste bien. Maintenant, il est tout neuf. Il est déjà un bon niveau d'entraînement. J'espère faire la qualification dans le mois d'octobre pour courir au début du meeting d'hiver. Ah oui, tu veux carrément courir les préparatoires au Prix d'Amérique alors? Je ne sais pas, c'est les préparatoires. Il a peut-être encore quelques courses comme plus petites, non? Non, comme dans le meeting, ouais. Comme le Prix de la Marne, le Plateau de Gravel, il a beaucoup de courses. Ce n'est pas l'Amérique, peut-être pas pour lui maintenant. Mais les courses de... Les deuxièmes lignes, là, les deuxièmes courses, un petit peu plus bas, non? Mm-hmm. Pas de Prix de Paris, pas de Prix de France, pas de Prix d'Amérique, mais... Les petits internationaux, ce qu'on appelle les voilà, mm-hmm. Je pense. Au Repurobar, Marco, il a été décevant cette année, il a été très bon à 3 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Il manque toujours une œuvre à faire 12. Il n'est jamais le vrai champion encore, mais il manque un petit peu de dureté. Quand il est là-bas, il a gagné des belles courses. Je dis merci, c'est un bon cheval. Mais j'ai changé l'entraînement. J'ai mis un mois au repos. Maintenant, je le travaillais avec le Trotmaster, tu sais, le poids lourd, oui. Avec les poids. Je change l'entraînement. J'espère faire quelque chose dans cette midi d'hiver. C'est en préparation aussi. Avec. Il a eu un petit ennui de santé, ce cheval-là? Non. Maintenant, il était bien. Mais je l'ai arrêté pour un peu de repos l'été, après Cagnes-sur-Mer, qu'il n'a pas bien couru. Il est resté un mois à l'herbe, total, dans une ara qu'il n'a pas de chevaux, là, tranquille, longtemps de l'entraînement. Et maintenant, je l'ai mis en travail et j'ai le travail différent qu'avant. Et tu le sens revenir à un bon niveau? Je ne sais pas encore. J'ai essayé de changer l'entraînement. Tirer un petit peu le Trotmaster, tu sais, le gros surquet du travail avec les poids. On va faire ça doucement, de longtemps, et après on va voir. C'est peut-être la saison plus importante pour lui, pour voir s'il fait un passage de qualité encore ou s'il reste dans son niveau, c'est déjà bien. On va le voir à Vincennes. On va voir Vincennes cet hiver, j'espère. Ça c'est Révillon, cheval classique. Il a gagné l'autre jour à Turin, la belle course, 4000 euros, marché 13 à Turin. Il a couru à Vincennes, il n'était pas placé. Qu'une fois. Et là, c'est un fils à Ready Cash, acheté à la vente de... C'est le propriétaire à Remogas. Il est parti, c'est Stiguanson, Remogas. Mais maintenant, le propriétaire est retourné chez moi. Il a acheté un fils à Ready Cash pour moi. Ça, c'est un yearling italien par Ready Cash et une bonne mère. Une mère qui l'a donné 2 chevaux 11. Moreno d'Asolo et oui. Nerone d'Asolo. 2 chevaux que peut-être Moreno d'Asolo l'a couru. Il a couru en France, ce cheval-là. Voilà, c'est par Ready Cash. Ça. C'est un fils à Ready Cash. Maintenant, nous sommes derrière à débourrer le cheval. Il a un bon caractère, un bon... belle tête. Oui. Hein? Voilà. Tu as vu, petit Jacques? Hein? Il trotte, hein? Il trotte, hein, oui. Tu as vu, petit... Hein? Sans entraînement, sans rien. Là, tu vas prendre un petit peu de force. Mais pas mal, hein? Oh. Lui, il fait trial aussi, trial. Petit cheval français. Hein? Classe, hein? Hey. Tu as vu la classe? Comme ils mettent la coule, tu as vu? Zinzambrutour. Mais il a déjà fait
800 mètres 15. Hein. Il est prêt à qualifier. J'attends un petit peu parce qu'il n'est pas encore venu de physique. J'attends l'hiver à qualifier. Et je pense que c'est un cheval qui... C'est un cheval court. Il est resté un petit peu petit, comme les gros boléros, son frère. Et tu mets Jacques, tu penses que je l'ai acheté à une année, hein, lui. Et je pensais qu'il vient... Il est resté un peu petit, mais il trotte bien. Et j'ai vu que les Jacques petits comme Very Nice Marceau, ils sont pas mal. Hein, hein? Alors tu as vu mon cheval là, nous avons fait beaucoup de guerres en France avec les bons, avec Fanny Doll, avec Général Dupont, avec des bons. Aussi lui il a 18 ans maintenant. Hein? Il est encore bien. Zinzan, hey Zinzan. Attenta, che ti calce. Lui. Et bon, là, il est tombé sur une génération de phénomènes. Toutes les courses étaient très dures. Hein? Être placé déjà. C'est pas Varenne, lui, c'est pas le crack absolu. C'est un bon cheval, il a gagné 1 million d'euros. Mais parce que tout en France, parce qu'il a mis les pistes souples françaises. Vincennes, 3-4e au prix de Paris. Quand les Français ont baissé le mur de 15, je suis là. 14-8, 4e de Général Dupomo, 14-4. Et 3e du prix d'été, 2e à un gain à l'Atlantique. Et je ne rappelle plus, beaucoup de places. Jamais gagnant dans les classiques, dans les semi-classiques, oui. Ouais, tu as gagné des groupes 2. Avec. J'ai gagné des groupes 2, mais jamais gagné le groupe 1 parce que là, trop dur. Et aussi les deuxièmes lignes, pas Fanny Doll Général, mais Jean-Baptiste Duvivier, des bons chevaux encore qui faisaient des performances absolues. Et je suis tombé sur peut-être un mauvais moment. C'était trop fort. Varenne ici et tous les autres là-bas. Et difficile à gagner les groupes 1. Mais il t'a quand même fait sacrément plaisir. Ah oui, oui. Est-ce que c'est un peu le cheval qui a lancé ta carrière? Oui, c'est lui. Après Monsieur Borini, qui m'a fait beaucoup pour moi. Moi, je suis parti avec mon van derrière la voiture, tout seul. Je suis allé courir là-bas. J'ai perdu sur les poteaux par Ingen, Pierre Lévesque. Ingen, ouais. Battu sur les poteaux. Première fois 2007, là, ou 2008, je ne me rappelle plus. J'ai pris la tête et je suis battu sur les poteaux. Et il paraît facile courir à Vincennes. Après, j'ai compris avec des autres que c'est pas facile courir à Vincennes. C'est le cheval qui était bon. Et la deuxième fois, je cours là-bas. Et Joss, il vient à côté, il dit, il respecte mon cheval. Il dit, moi, j'ai un bon cheval. Comme c'est le tien, c'est comme l'autre fois. Oui, c'est comme l'autre fois. Donc, tu viens, je te laisse passer. Parce qu'il avait un cheval de la marquise de Moratala, je ne me rappelle plus comment c'est, un étranger. Et il est deuxième, et j'ai gagné tête-corde, prix de Blois. Et j'ai couru, j'ai battu des bons chevaux. C'était pas Royal Gull? Royal Gull, peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà, et il a gagné des belles courses, et il s'est placé dans les belles courses derrière les champions. Il a fait beaucoup pour moi, et beaucoup de... Il a produit des juments et des chevaux, des bons chevaux. Oui, parce que tu classique. Lui as mis pas mal de tes poulinières. Là, tu lui, un... oui, en oui. plus de lui avoir fait confiance en course, tu lui fais confiance en tant qu'étalon. Et Madras, jument de l'année, Imbimba 10, jument qui a marché 10, que je l'ai gardé. Après, nous avons voir Imbimba, qu'est-ce qu'il a produit, un fils de Libeccio Griff, magnifique. Donc, il m'a donné beaucoup, comme en course, comme à l'élevage. C'est un cheval qui mérite... d'en vieillir bien ici. Voilà.
Tu dois être heureux qu'ils grandissent à côté de Varennes, justement. Enfin, qu'ils vieillissent à côté de Varennes. C'est la même qui s'occupe de Varennes et s'occupe de Zinzin. Donc, c'est peut-être plus facile, Zinzin, que Varennes. Elle est gâtée. Elle est plus facile de regarder. Zinzin hein? C'est plus rustique. Ma lui, en fait. Plus qu'autre que d'estate, sta sempre fuori. Però lui è più a tutte le sue esigenze. Deve rispettare le sue esigenze. Il faut rispetter ses exigences. Ah oui. Il a son petit caractère. Il vuole il fado che vuole lui. Il ne veut pas des autres mâles à côté. Il veut pas. Il veut être dans son harem. Et après, il est content. Nous, c'est un peu pareil, Marco. Oui. Hein? bon. Mais Anna, il s'occupe très bien et je suis content. Il va vieillir bien. Mon champion. Voilà, il a son bel paddock ici, son cabane. Il aime beaucoup vivre en dehors, comme ça. Il a son paddock, à l'hiver il a sa couverture, il reste beaucoup en dehors. Il aime, toujours comme ça. Il cabane est un peu rotto, parce que lui le smonte ogni tanto. C'est lui qui... Son cabane, il est un peu comme ça. Toujours, il faut... Parce que lui qui tape un peu. Ah oui.